ثبتناك لقد كدت تركن إليك شيئا قليلا إذا لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات هم لا تجد لك علينا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصفته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. افعل بما أنت له أهل ولا تفعل بما أنه له أهل إنك أهل التقوى أهل المغفرة. يا فرد يا صمد يا صمد قد صمدنا بها إليك حاجاتنا فلا تردن الخائبين. بسر الفاتحة. فاتحة صلاة الفاتحة. دي نيو لا كوميونيتي مسلمان بوفيتيو ييب بيب ديليغاسيون فمو جوغي. Donc, en tant que délégué de quartier de Château-d'Eau, je vous remercie de bismillah. Dieu est le bienvenu. Je suis 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 waye tam barkel mbollem ñi baye ko fu nek ñew fi ci tundu wi ngir magal gudd sang sangi di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ñu ngi leen di sante bu baax di leen dokkel waye duñu faté presse bi. Ñu ngi leen di ñaanal yalla taxaw leen yalla jappalé leen fepp fu ñi dem ci wara jël ay reportage yalla ar leen sam leen bañu delu seen nekkin. Salamu allahhi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Di leen nuyu di nuyu mbollem khalifi fi tew joggé ba foñi Kalunay, Blouf ak fep ci département de Bignona mais également bép kilifa diiné bu jogi ci région bi jogé aussi bu département bi Siguen Chor. Ma ngi nuyu nuyu l'islam di nuyu nuyu bu sel ki nga xamanteni mom mo fi téwal la famille Omarienne diko wax ni mu tégal ñu suñu nuyu yoyu suñu mbékté yoyu suñu kaddu yoyu ci loxo khalif bi et mu nga xamni ko bob ba legui mi ngi wote ci lu jëm ci porte parole bob ba legui mi ngi wote ci lu jëm ci organisation ziar bi amna yu wax yuñ ci wax wax yoy nak tay ji délégué de quartier deugal na ni amul fi ci département de Bignan. Affaire waso boko manta waxet amul fi xewu fi affaire xet xewul fi ci département de Bignan ci lima xam bok amul boddiku amul japp nit niko xet ba le nga ba song ko wala xex ak mom danaka sax ñom ñepp ben lañu. Ndax ku gis tante bi gis gamu gi gis ziar bi xamni ñi ko fi def bo setlo du dentangal pulagu du ay mbokam ñu ko gëna jégué moy wa quartier bi ñom ñoo jokk and ak ñom ba ci comité d'organisation yima doon waxal ñu ci bari xamnañ ni bo ci génné alpulari bari wuñ. Donc loolu mom mo fi xew fi makoy deugal di wax ni loolu mom moñu jik mom mo jik département de Bignona mom mo jik réewum Sénégal ñun ñepp ben lañu. May wax encore une fois ñu ñaanal réew mi ndax gis ngeen fi mu toll moy lima doon wax légui deug mom boko gisé wala li nga xamanteni mën nañ ci tek suñu loxo buñ ko gisé mënu ñu ko daw da na def ay discours naan wax Sénégal réewum jamm la yalla fi yalla saxal jamm waye fi ñu toll nak réew mi réewum jamm la waye amna jafé jafé yu mu ne jafé jafé yoy nak ñu ñaan suñu borom ñu romb ko jamm ta am nañ ci yaakar ndax ñu nit nak diiné la ñom buñu jaxlé faaw fofu lañuy daw té buñu leen gisé gis tante yi gisé ni allahumma ta wuluko lol am nañ yaakar ni jamm rek mo ci mucc ñu ñaanat encore une fois di ñaanal ñi nga xamanteni duñ jox ci ñaanal réew mi yalla yagal seen taxaway muy imam ratib di imam fansu bojan nek fi lol jité té ñu nangul ko ndax lol lu jafé la ndax diiné islamit nak diiné kilifteef la luñu mënta am ci adina bu imam taxawé ben imam rek mo mëna am moy jitu ñeneen ñu top ci julleen baxna suñu julli ñun ñepp baxna même bu fekente ni man mi sama julli bax donc lolo tax njit ak légitimité ak autorité nek lu am solo lool ci l'islam al imam al-fansu xamé ko lool jité nit ñi ci yermandé
jité nit ñi ci solidarité waye jité nit ñi non pas ci xélam waye di leen déglu ñom ñepp ku nekk lam wax ak xalaatam ba buñu toggé lu ci bari ñom sax lay jital far donc loolu ma ci wax alhamdullahi rabbil alamin ndax wa salatu wa salam ala man ba'il irfani wal khairat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala وما الرسول الا البلاغ مبكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نغي بالو اق بو باخ بودول وون بني واخي ني كاد يي دوينا ني جوخ امام نيان مننا ام نيكو غيسه دارا danañ doon doylu ti discours yi ndax li ñu bëggoon yépp mooy yàlla may ñu ñu fekke ko tetal ko te yàlla may nanu ko fekke nanu ko tan nan ko ci teewaayu xalifa généraux yi fi nekk yépp ci teewaayu njiitu réew mi te loolu rek moo am solo su ma ne xalifa généraux yi mooy ku ne am na ku fi teew am kër goo teewal ci diine gi te inna rasula mursilun kunu yebal nekatul yow la nu yebal yow ya tok togay kunu yebal kon ya fa tok kon cherno sal mom tay tok na togay khalifa zenro yeb ndax ño bëgg lu bax monsieur le prefet tok na togay tabarakallah senegal waye tok na togay njiti rew mi kon cherno makki muntaqa ahmad muntaqa cheikh omar ci ndigalu cierno mohammedul madani muntaqa ahmad muntaqa cheikh omar ci ndigalu cierno mohammedul basir mi xamne tay mo tok togay cheikh hadj omar ñom ñep and nañu wax ne suma ñewé na len wax ne jazakumullahu khairan jazai wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh je m'appelle mamadou djibi sow coordinateur du Gamu Omarien, section Bignona, édition 2023. Le choix porte sur la restauration des valeurs. Et pourquoi donc la restauration des valeurs? Parce qu'aujourd'hui, on note la déperdition des valeurs. Et raison pourquoi le choix? Parce qu'aujourd'hui, c'est noté qu'il y a par les réseaux sociaux, n'importe où, dans les lieux publics, ailleurs, on note la violence. On note la régression vraiment des valeurs léguées par nos anciens, par nos parents. Voilà ce qui explique pour un bon retour de ces comportements, de ces valeurs dans nos sociétés, tant souhaitées, c'est la raison pour laquelle, et c'est ce qui explique donc ce thème de cette année, édition 2023. Parce que j'ai pitié de moi-même, mais j'ai pitié des générations montantes, donc des générations futures. Parce que nos parents, chacun sait que quel est l'héritage en concernant l'éducation laissée au niveau de l'école ou par l'école, et l'éducation également ou l'héritage donné par nos parents dans les foyers, dans les maisons et partout ailleurs. Mais aujourd'hui, on note ces régressions, on note ces déperditions. On note également la dévalorisation de l'espèce humaine ou du genre humain. Il n'y a plus de solidarité, il y a la chosification, il y a la déshumanisation. C'est ce qu'on note aujourd'hui. C'est ce qui explique par ce gamou de cette année, vraiment, pour qu'il y ait retour de ces valeurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de solidarité, on a besoin de paix. On a besoin de prospérité et le développement. Le développement passe par le bon comportement. Et quand on parle de bon comportement, on parle de restauration des valeurs. La discipline importe beaucoup. Aujourd'hui, ce qui est sacré, les parents restent un pilier extraordinaire, énorme. Ce sont des monuments parce qu'ils ont fixé des choses. Mais c'est à nous de prendre en charge ces dires, ces communications, ces valeurs que nous, on doit pratiquer,
que ce soit dans les bureaux, dans les maisons, dans les rues et partout ailleurs, pour que le Sénégal retrouve son lustre d'antan, retrouve également ce qui est connu de tous. Et n'oubliez pas que par nos parents, il y a eu les enseignements, l'enseignement religieux, l'éducation religieuse par les guides religieux. Et aujourd'hui, Cherno Fouti Outal a laissé un legs véritable. C'est le carrefour, quand on parle de l'islam au Sénégal, il reste un monument fort, il reste également aujourd'hui un carrefour entre toutes les confréries du Sénégal. Et notons également, non seulement le carrefour de entre les confréries sénégalaises, mais également sa dimension par le dialogue islamo-chrétien, donc sa relation, le monde musulman, sa relation avec l'Église. C'est ce que le Sénégal connaissait.